Salut les ammonites, aujourd'hui on va parler d'un gros carnivore, le Majungasaur. Et donc, comme vous pouvez le constater, il mesurait 7 mètres de long pour 3 mètres de hauteur, ce qui est quand même beaucoup par rapport à la taille d'un humain. Alors, son nom, Majungasaur, signifie lézard de Majunga. Majunga, pourquoi Majunga? Car tout simplement, c'est là où il a été découvert pour la première fois. Alors, il vivait à Madagascar et il fait partie de la famille des Abelisauridés, à ne pas confondre avec les Tyrannosauridés, hein. Je tiens à le préciser, donc pour ceux qui veulent savoir, les Abelisauridés dans cette famille-là, il y a le Carnotaure. Et dans la famille des Tyrannosauridés, bah, tout simplement, le grand, le beau Tyrannosaurus Rex. Alors, après, ce dinosaure-là, il a vécu à la fin du Crétacé supérieur, donc déjà, c'est la toute dernière période, le Crétacé supérieur. Et à la toute fin, donc du coup, c'est la fin, c'est juste avant l'extinction des dinosaures. Alors, ce dinosaure avait une particularité, c'est que bah déjà il avait des toutes petites pattes avant, plus petites que le T-Rex, ça lui servait à rien. Donc il se servait plus de sa mâchoire, comme vous pouvez le voir, pour chasser et tuer sa proie. Alors comment il tuait sa proie? Eh bien, on va tout de suite le savoir et le découvrir, car vous voyez là deux crânes de dinosaures différents, le Majun et un autre. Alors, la dent d'en haut et la dent du bas, donc la dent d'en haut c'est celle de l'autre dino, et la dent du bas c'est celle du Majun. Alors le Majun, lui, comme vous l'avez vu, il prend sa proie, après il ne la lâche plus jusqu'à temps qu'elle meure, il la serre, il la pince en fait au niveau du cou pour que tout simplement bah, elle meure. Et donc, après, du coup, comme vous pouvez le voir là, eh ben, il mange ses congénères aussi, donc c'est un cannibale, tout simplement. Il est cannibale, donc il se mangeait entre eux, en fait, tout simplement. Donc, la différence entre les autres dinos, c'est que celui-là, lui, il prend sa proie, il ne la lâche plus, mais les autres, eux, arrachent tout simplement la proie. Ce qui est quand même assez violent. Alors, en jeu vidéo, il est apparu dans Jurassic World Evolution et Jurassic World le jeu. C'est tout ce qu'il y avait à dire sur ce dino. En tout cas, laissez un like, ça fait toujours plaisir. Laissez un tas de commentaires et puis partagez la vidéo. Abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine, les gens. Allez, ciao, ciao. Eh bien, cette vidéo m'a donné faim. J'ai peut-être mangé de la viande. Ah oui, et au fait, dans la description, n'hésitez pas à aller voir, je vous ai mis le lien du documentaire. Allez.